dans une accusée de réception référencée RDC-P-Assemblée nationale-Sénat-45-2020 du 20 octobre 2020, on peut lire « Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons l'honneur d'acquiser bonne réception de la lettre numéro 2087-10-2020 du 19 octobre 2020, nous transmise par votre directeur de cabinet AI en rapport avec la prestation de serment de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et vous en remercions. C'est référent à la réunion de travail présidée par votre Excellence mardi 13 octobre à la Cité de l'Union africaine. Nous affirmons notre position commune vous présenter à cette occasion. Nous sommes surpris d'être à nouveau saisis par la présidence de la République pour l'organisation de cette cérémonie alors que le dernier conseil des ministres chargé le premier ministre et le ministre des relations avec le Parlement quant à ce. Nous regrettons ce fait accompli qui ne cadre pas avec le principe essentiel de collaboration et de courtoisie institutionnelle fermant de notre système politique. À cet effet, nous ne saurons organiser cette cérémonie ni en être partie prenante. Néanmoins, nous demeurons engagés à poursuivre la réflexion pour la recherche des solutions idoines et respectueuses de la Constitution, les lois et règlements nationaux pour la sauvegarde des acquis démocratiques nés de l'alternance politique historique de 2019. Un bras de fer étant engagé, wait and see.